De la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Team Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, le grand jour est enfin arrivé. Il est temps d'élire la nouvelle Miss In Shape. Et vous qui regardez cette vidéo, vous allez voter pour la meilleure en commentaire. La gagnante viendra faire une vidéo à côté de moi, devant vous tous. Mais attention, n'est pas Miss In Shape qui veut. Ce n'est pas n'importe qui. Elle devra répondre à certains critères. Il faut qu'elle ait 18 ans minimum, qu'elle soit sportive, souriante et qu'elle ait de l'humour. Beaucoup d'humour. Mais attendez, par contre, une chose très importante, les critères de beauté, vous me virez ça de suite. On veut pas de ça chez nous. Ici, on ne juge pas sur le physique. Damn! Qu'elle soit petite, grande, enrobée, fine, on s'en fout. Toute petite peut devenir Madame In Shape tant qu'elle a de la personnalité. Et qu'elle squatte aussi, bien sûr, c'est une évidence. Ah, j'oubliais, si cette vidéo fait 100 000 pouces bleus ce soir avant minuit, je ferai un deuxième tour avec d'autres petites. Maintenant, on passe aux vidéos, c'est parti. Damn, Thibaut, aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Damn! J'espère que tu vas bien, je m'appelle Justine. Enchantée Justine. Seine-et-Marne, où est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est un petit peu loin. Mais ce n'est pas grave, comme dit le proverbe, loin des yeux, près du pec. 19 ans, bientôt. Et je fais de la gymnastique depuis 13 ans. Le gymnase c'est mon temple, donc chacun son temple. Exactement, je suis entièrement d'accord. Chacun son temple et les dindes seront bien gardées. Je fais pas de la musculation, je t'avoue, j'aime beaucoup. Enfin, j'en fais à la gym. Puis ma petite veine sur le bibi. Oh, les beaux bibis. Ça, c'est du biceps 100% pure protéine, nourri au riz dinde. Et voilà, je voulais dire que tes conseils chaque jour, ça aide vraiment tout le monde. Mais avec plaisir. J'étais pas trop une pro des squats. T'as vraiment su motiver beaucoup de monde. Ah merci, ça me va droit au pec. Si un jour tu veux passer au gymnase pour un défi, y a pas de problème. Un défi? J'aime ça. Et je peux te défier sur la poutre, ça peut être drôle. La poutre? Oula, attention, on ne parle peut-être pas de la même poutre, car à la mienne, je suis imbattable. Il m'a donné la motivation quand même de faire attention, de manger des protéines. Des protéines. Juste je voulais te dire, me déteste pas, mais les œufs et moi ça fait deux. Les œufs et moi ça fait deux? Il sait pas trop mes copains. Oula, aïe, là Justine, très mauvais point. Ton sourire en mode... Quoi mon sourire? Malgré que j'ai eu une fracture au coude, que je peux plus tendre le bras, toujours continuer, j'ai pas lâché, j'ai forcé, j'ai rééduqué. J'aime ça, elle en veut et elle est motivée. Très bon point pour une Miss In Shape. C'est à peu près tout sur moi. Surtout tu prends soin de toi et tu restes toujours énorme et sec. Toujours. Boum. Oh. Oh, mais on voit. Ça commence très bien ces élections. Au suivant. Damn, Thibaut, damn, la Team Shape. J'espère que vous allez bien. C'est JujuFitCat. Damn, JujuFitCat. Pour moi, Madame In Shape, c'est une petite qui sublime un simple riz d'Inde. Quoi, beurre le riz d'Inde? T'as pas le droit de... En un repas gastronomique. Oh. Oh. Bon. Ok, je dois bien avouer que ça a l'air un peu plus appétissant. Le talent culinaire pour une Miss In Shape, c'est très important. Là, très bon point positif. En numéro 2, c'est une petite qui a une plus grosse veine du bibi que Thibaut In Shape lui-même. Une plus grosse veine du bibi que moi? Impossible. Mensonge et calomnie, je... Bah, Thibaut, mais je crois que j'ai une plus grosse veine du bibi que toi. Effectivement, là, je ne peux pas lutter. Quoique... Ha On fait moins la maline maintenant, hein. Bon, par contre, maintenant, comment je vais faire pour me laver? Donc, en numéro 4, histoire d'être un peu plus sérieux dans cette vidéo, même si j'avoue que j'aime pas trop ça. Miss In Shape ne doit pas se prendre au sérieux. Très bon point. Je te laisse checker les vidéos de transfo. Oh, bravo. Aïe. Ouh, les cuisses. Damn, la transformation est dans mes sèches. En numéro 5, c'est une petite qui s'entraîne très dur. Encore une. Allez. Boum. Voilà. Beaucoup d'autodérision. De l'autodérision? Facile à dire. Surprends-moi. Tu es belle hein, comme la papaya. Là, je dois avouer que tu as mis la barre de squat très haute pour les autres concurrentes. Damn. Mon dieu, cette paire de... Bon, ok, faut que je t'avoue un truc. J'ai pas de meule énorme et sèche. Non. Pourquoi? Waouh, que quelqu'un me retienne. Je... Non mais parce que tu croyais sérieusement que ça allait être aussi facile? Ah non. Non. Pourquoi?
jamais. Ça devrait être interdit de faire des faux espoirs comme ça. Je compte sur vous. Damn, Thibaut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Manon, j'ai 20 ans. Damn, Manon. J'habite à Lyon, donc si jamais tu veux en savoir un peu plus, je te propose qu'on aille boire un verre à Lyon. Un verre? Mais qu'est-ce que c'est? Un shaker plutôt, oui. Et ensuite, on pourra squatter si tu veux. Squatter? Toujours là pour squatter. Après Lyon, la dernière fois que j'y suis allé, je me suis pété le poignet. Donc avant, il faut que je me réconcilie avec cette ville. J'espère que tu vas bien. Depuis que tu es là, ça va mieux. Voilà, moi je me présente, je m'appelle Margot. Damn, Margot. J'ai 20 ans, je suis cuisinière, donc je pourrais te préparer des bons petits plats. Oh, des bons petits plats. Bon, j'espère que ton poignet, ça va mieux. Oh, et attentionné, très bien, très très bien ça. Tu m'inspires beaucoup, tu me donnes de la motivation, de la force. Damn, Thibaut, c'est Maurice de la Team Shep, j'espère que tu vas bien, c'est un plaisir de te parler aujourd'hui. Damn, Maurice. J'ai 27 ans et je suis une petite qui fait 1m80, pas si petite que ça finalement. 1m80? Ah oui, quand même. C'est un petit peu la même taille que moi si je tendais les bras vers le ciel, que je me mettais sur des talons et que je montais sur une table. Je suis infirmière. Là, tu marques beaucoup de points. Surtout avec la gueule de mon poignet en ce moment. Je kiffe la muscu et je fais du squat et j'ai le matos à la maison. Excellent. Je mange énormément de riz d'Inde. On s'entendrait bien là-dessus. Très bon point, comme toujours. Et la raison numéro 5, j'ai des meules énormes. 100% naturel. Je ne peux que valider. Enfin, plus sérieusement, continue tes vidéos, c'est vraiment de la bombe. T'influences plein de jeunes, je trouve ça juste génial. Merci pour tes encouragements. C'est toi le meilleur, boum. Oh, et très très beau bracelet. Moi c'est Maëlle, j'ai 19 ans. Damn, Maëlle. Je te suis depuis quasiment le début de tes vidéos. Ah, elle est fidèle, très bien, ça commence bien. Le lundi, je vais au temple. Sportive, excellent. Le mardi, je fais du kayak, le jeudi... kayak, mercredi kayak aussi. Très bien, donc avec toi, faut pas avoir le mal de mer. Vendredi, natation. Et du kayak. Et kayak. Et samedi, le kayak et dimanche, je travaille. Avec un peu de kayak quand même, j'espère. Pouh. Oh, excellent Bibi. Boum. Salut Thibaut, je m'appelle Lydia. Damn, c'est bon, arrêtez tout. On a trouvé la nouvelle Miss In Shape. Rien que l'accent, je suis fan. J'ai 18 ans, j'habite au Québec. Damn, énorme et sec à tous les Québécois. Je suis une fille bête, mais... timide, ça a son charme, je prends. Je fais pas de muscu. Aïe. Mais je fais du sport. C'est le plus important. Je fais de la cuisine. Ah, là, là, ça me parle là. J'ai un accent du Québec. Je sais pas si t'avais remarqué. Non. Eh, c'est quoi? J'avais même pas fait attention. Heureusement que tu me l'as dit quand même. Bye. Bye. Dang, Thibaut, j'espère que tu vas bien. C'est Charlotte In Shape et c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Damn, Charlotte. Je n'ai peut-être pas la petite veine sur le bibi. Ce n'est pas grave. On a tous commencé la muscu un jour. Mais comme tu as pu le remarquer, j'ai des énormes. Je ne peux qu'être d'accord. Coucou Thibaut. Stop! Oubliez tout ce que je viens de dire, on a trouvé la Miss In Shape. Je vais être la future Miss In Shape. Franchement, je suis toute faite pour te plaire. J'ai des gros bibis. Comme ça, je sais faire. Est-ce que ça te plaît? Oh que oui, énormément. Et en plus, je suis une femme qui m'affirme. Je laisse pousser les poils, j'espère que t'aimes ça. J'adore. La pilosité, c'est mon critère numéro 1. Boum. Damn Thibaut, j'espère que tu vas bien, c'est Julie. Damn Julie. Et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi je suis ravie. Le premier point, c'est déjà que je suis une petite. Très bon point. Le deuxième, c'est que j'ai un humour à la con. La preuve en est que je comprends tes vidéos, que je comprends ton humour et que je rigole à chaque fois que je comprends. Là, on va bien s'entendre. J'aime les sushis. Sushi. Levez la main si vous aimez les sushis. J'habite dans le Var et que chez nous, l'huile d'olive, c'est une religion. Oh, de l'huile d'olive pour les bons lipides. Chez moi, l'huile d'olive, t'en veux, t'en as, c'est gratuit, c'est pour nous, c'est cadeau. Là, tu m'intéresses. Mes parents font même leur huile d'olive eux-mêmes. Oh, bon papa et belle maman. Ah, ben non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je voulais te dire que j'étais une petite parfaite, mais... je pense pas parce que je suis pas une vraie petite. Je suis une petite grande. En fait, je fais 1m78. 1m78? J'espère que les centimètres ne te gênent pas. Moi aussi, j'espère que mes centimètres ils vont pas te gêner. Non, c'est sale. Et je vais arrêter le point sur les centimètres parce que me connaissant et connaissant ton humour, la vanne sur les centimètres peut aller très loin. Comment elle a fait? Elle a prédit ma blague. Blague à part, j'aimerais vraiment te remercier. Oh, mais merci à toi surtout. Et en fait, tes vidéos m'ont sorti des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, pour moi, ça, c'est juste le truc le plus important. Et c'est pour ça que je t'estime autant et que je regarde toutes tes vidéos. Je vais te dire, des fois, la miniature m'inspire pas trop, mais voilà, je me dis, attends, c'est Thibaut, c'est forcément bien. Quoi, mes miniatures? Elles sont parfaites, les miniatures. Grâce à toi, bah, je m'en suis sortie. Aujourd'hui, je suis en pleine santé. J'ai jamais été aussi bien de ma vie, en fait. Donc, pour ça, je te remercie vraiment. Et je vais arrêter avant d'être trop émue. C'est un honneur pour moi. Bravo pour ton combat. Boum.
Maintenant les gens, à vous de voter en commentaire pour élire celle qui aura l'étoffe de devenir la nouvelle Miss In Shape et qui viendra faire une vidéo à côté de moi devant vous tous. Est-ce que ce sera Justine la gymnaste, Juju Fit Cat la squatteuse folle, Manon de Lyon, Margot la fit girl, Maury l'infirmière, Maëlle la reine du kayak, Lydia la québécoise, Charlotte la souriante ou la touchante Julie? À vous de jouer. Et si il y a 200 000 likes en bas de cette vidéo, j'en ferai une autre avec 10 nouvelles petites qui affronteront la gagnante d'aujourd'hui. Vous pouvez donc m'envoyer vos vidéos de candidature à cette adresse ici là, à condition d'avoir bien sûr plus de 18 ans. Mais avant ça, nous, on se voit très vite. Alors surtout, n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Boum. Oh. La vidéo la plus douloureuse de ma chaîne.